on va commencer cette soirée avec un petit jeu. Je vais vous demander de regarder le grand écran. Jetez un coup d'œil là-bas sur le grand écran avec le nouveau jeu, le Face Challenge. Essayez de deviner à qui appartiennent ces yeux. Pour jouer, vous allez sur le Facebook de Nantes Basket, sur le Facebook de Nantes Basket 44, et vous pouvez répondre tout au long de la soirée et du match. Le Face Challenge, à qui sont ces yeux, ce regard d'un joueur nantais? Vous répondrez en allant sur les réseaux sociaux et sur le Facebook de Nantes Basket Erwin. Dans quelques deux minutes, la présentation des deux équipes de Rouen, l'adversaire du jour et de Nantes Basket Erwin. Allez, on va commencer la présentation des deux équipes à l'occasion de cette première journée de tournée ici à Bonjour. Pour l'équipe de Rouen, le numéro 4, Benoît Inge. Numéro 8, Desvan Wille. Numéro 11, Kové Passoufa. Numéro 12, Karl Bonsal. Numéro 13, Florian Portillo. Pour le 5 majeur, le numéro 5, Amin Steven. Numéro 7, Emmanuel Manso. Le numéro 9, Rémi Thibault. Le numéro 10, Félix Michel. Le numéro 15, Ovi Emmanuel. Une équipe entraînée par Alexandre Pénard, assistée par Mathieu Létain. On est chaud, on est prêt, on va accueillir dans un instant l'équipe du Nantes Basket Erwin. Le numéro 1, une ovation, une standing ovation pour le numéro 8, Jorgen Mertic. Vos applaudissements pour Mertic. Le numéro 10, Ryan Pampa. Ryan
par le numéro 11, Alexandre Gavrilovic. Allez, un maximum de bruit pour le nom de la termine. Le numéro 12, Luca Conti. Le numéro 18, Baptiste Guillou. Le numéro 20, Thomas Dumont. Un maximum de bruit pour le 5 majeur. Le numéro 4, Germain Thiel. Le numéro 5, Guy Landry-Eggy. Le numéro 6, Christopher McKnight. Bon applaudissement pour Christopher McKnight. Le numéro 13, Laurence Ecterigui. Enfin, le numéro 17, Karl Ona Embo. Et l'équipe entraînée et l'ovation pour Véno. Astérix, assisté de Jean-Baptiste Le Premier. Les arbitres, messieurs Colin, Léna, Bourgeois, à la table de marque, Ludovic Robin, marqueur, Sylvie Sanson, chronométreur, et Ludovic Caillon, chronométreur, Laurent Sailly, et marqueur. Y a-t-il des supporters de Rouen ce soir à Mongeant? Y a-t-il des supporters de Rouen ce soir à Mongeant? Oui, il y en a. Avec moi, est-ce qu'il y a des supporters de Nantes à ce qui termine ce soir?
nationale de basket vous souhaite la bienvenue à Mangin. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2017-2018 à l'occasion de ce choc entre Nantes et Rouen pour le compte de la première journée de trouver dans 2 minutes 30 le coup d'envoi de cette affiche de la première journée. Tous ensemble, on met du rythme, on met de l'ambiance ce soir et on compte sur vous. On y va. Et pour débuter dans le 5 majeur, Guy Landry, Kelly, Jamar, Félix, Laurence, Pecperigine, Cardona et Beau et Christopher Wagner. Allez pour Nantes, un maximum de bruit!
2.2. Allez tous ensemble.
numéro 15, Eric Gano, première tour. Remise en jeu, dans Pascal. Remise en jeu pour Nord en faire pitch.
changement à Nantes. Avec la sortie aux applaudissements d'Oda, Epo, entrée en jeu de Papa. Allez, tous ensemble. Numéro 8, Williams, première fois. Relancé, Magna. Premier lancé réussi, Christopher Magna. Et
aux applaudissements au Christopher McLean est entré en jeu à Dante. Sorti des périls, entrée de Gabriel. Thank you.
Allez, je vais voir tout le monde taper dans les mains. Numéro 12, le 46, deuxième tour. Numéro 12, votre
applaudissements pour Luca Antica. Entrée au jeu de Christopher McLean. Antic, troisième point. Au lancer, Steven. Deuxième lancé, Boys. Le tirage au sort qui sera effectué devant le cabinet de carton. Et vous aurez la réponse sur le Facebook du club. Test Challenge.
Remise en jeu pour Rouen. Changement. Annonce Vasquez, vos applaudissements pour Pampara et Gavrilovic. Entrée en jeu, Tekperguil et le Vizla. Allez, bon courage, l'équipe de notre basket, encore 4 minutes 30 à jouer. Changement, vos applaudissements pour Élie, entrée en jeu, Pénarco. De profiter des tournois pour jouer au Press Challenge et reconnaître le regard du joueur de notre équipe préférée. Remise en jeu, non passée.
allons faire des remises en jeu. Vampasse, changement à Rouen. Bien sorti. Le Steven, score changé de passif pas. Allez, on y va, tous ensemble, c'est maintenant. Pour tenter de porter le numéro 16, Monceau, relancé, Gabriel. Applaudissements pour Verdic, remplacé par Kopp. Ballon sorti, remise pour Vampasse. Et bon applaudissement pour le nom de la tête qui mène à la mi-temps face à Rouen, 43 à 32. Restez avec nous dans quelques secondes, le jeu à la mi-temps organisé par le club. Bruno, est-ce que vous jouez au basket en temps normal? Ah, c'est un joueur de basket. C'est un joueur de basket, alors... Non, pas petit joueur, on va se mettre là. Alors, on a le chrono, hein. 50 secondes, un maximum de lancers francs. Et à la fin de la saison, eh bien le club Med, un place de l'homme à Nantes, partenaire de Nantes basket, eh bien, vous offrira un voyage. Attention, on l'encourage, hein. 5, 4, 3,
Le 1, c'est parti. Allez, on tente dans les temps de courage pour ce concours de lancer franc. Pour l'instant, ça n'est pas parti sur un bon tempo. Allez, faites du bruit pour encourager notre joueur. Et de 1. Oh, 2. Attention. 3. On n'arrête plus. 4. Oh là là. Eh bien, le chrono. Allez, encore 20 secondes. Avec trois matchs en direct par semaine sur RCF Sport 2, la chaîne du basket nouveauté de cette saison, les meilleurs matchs de Euroleague et de Euroleague sont en exclusivité sur RCF Sport 2. Rendez-vous demain à 18h30 pour le centre Nanterre et Antibes, le dimanche 15 octobre à 18h30 pour le match entre Limoges et Strasbourg, lundi 16 octobre à 20h30, la rencontre entre Graphine et Pau. En direct sur l'exclusivité sur SFR Sport 2, SFR Sport 2 disponible sur le canal 33 de la Belle.
les résultats à la mi-temps. Et bien sûr, vous le savez, même face à Rouen, 43-32. Poitiers mène à Dublin, 43-27. Lille mène face à Caen, 32-27. Roanne mène contre Évreux, 36-35. Et Saint-Chamond mène devant Charleville-Mézières, 46-23. Et Orléans mène contre Vichy-Clermont, 25-14. Ça n'est pas encore la mi-temps. Vos applaudissements et vos encouragements pour les joueurs de Rouen et Oriane Le Parc. Les autres vont nous accueillir et applaudir une nouvelle fois les joueurs de Lancaster. Retrouvez toutes les rencontres de programme direct sur l'application SuperSport, disponible sur Android et iPhone, et suivez tous les duels de la province en direct sur nft.tv.
avec le renvoi de la deuxième période. Dans deux petites minutes, vous pouvez regarder vos places, que l'on va dans deux minutes, en poussée à la mi-temps, 43 à 32. Allez, reprise avec le 5-1 du côté de Nantes, Vertil, Pampa, Magnat et Pérégine. Et la remise en jeu de cette deuxième période pour Rouen. Ensemble, on est en forme, vous êtes avec votre équipe. Faites du bruit! Deux points,
lancer Laurence Ekperig. Thank you.
Et à Rouen, entre le William sorti de Pompon. On lançait Excellence. Numéro 10, Tempête-Pampa. Vos applaudissements pour l'Orgora Jessica. Entrez en jeu, Philippe. Thank you.
enjeux du sport pour la sortie de Pompard et l'entrée dans ce moment, Benoît Ocko. Devant la remise en jeu au roi, dans le passage, numéro 58 à 43. Est-ce que vous êtes toujours là ce soir, bonsoir?
course numéro 10, Juan Fischel, deuxième. Allez, on y va, on les encourage, les dangers, et on tape dans les bras, tout ça, on y va, c'est parti. Remise en jeu dans la tête. I just came from Jordan.
retrouver pour la première journée. Dans un instant, le début de ce quatrième et dernier quart. Deux points à Steve. Trois points à Carolina Épaule. Le champion à Rouen, le Pilate et DJ, entre le Massoua et Michel. Vos applaudissements annoncent la sortie de Gavrilovic et l'entrée d'Espérine. Thank you.
Changement à Rouen avec la rentrée des mécanos et la sortie de Vigo. Le ballon perdu récupéré par Nantes-Bastia. 6 minutes à jouer et Nantes qui mène 73 à 60.
et dit à bientôt. Route numéro 10, Narbonne, 6e, Jouques-Saint-Franc. Sortie de Blanche-Bretagne, Fonzard, entrée de Thibault et Sédiment. Thank you.
et on connaît désormais le vainqueur pour le jeu. Félicitations à Patrice Vitaré, qui a donc reconnu le joueur Brian Forfa et qui a donc remporté deux places pour le prochain match de notre cup le 31 octobre. Allez, ils ont besoin de vous pour ces deux dernières minutes. Les joueurs de notre basket, il faut les soutenir. Votre numéro 10, le roi Michel Carpegiacco. Allez, on passe dans les mains, on y va. Un maximum de bruit. Numéro 10, Michel. Cinquième poste. Changement à Nantes. Entrée en jeu des Gabois et Pierre Villorin. Vos applaudissements pour l'homme, c'est Pierre-Guin. Et le top mort, demandé par Rouen.
de bien s'intéresser notre artiste. Le numéro 12, Lucas Orfitch, au lancer Erwin Passoufa. Premier lancer monté. C'est manqué, la remise en jeu pour le temps de la tête. Allez, on tape dans les mains pour ces dernières secondes. On y va. C'est bien. Allez, encore 4 secondes. On va se lever pour ces dernières secondes.
Ça va.